Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de l'année 2017 de votre émission « Dialogue avec le gouvernement ». Notre invité ce soir est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Tayirou Bari. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité et félicitations pour votre reconduction dans le gouvernement du Premier ministre Paul Kabatieba. Merci. Alors, tourisme, sauvegarde et promotion des valeurs et du patrimoine culturel, promotion des artistes, FESPACO, autant de domaines que nous allons aborder ce soir dans cette émission que j'ai le plaisir de conduire avec mon confrère Sir Payim Ouédraogo, journaliste, directeur de publication du bimensuel Info Science Culture. Bonsoir Sir Payim. Oui, bonsoir Emmanuel. Voilà, et pour camper le décor de cette émission, nous vous proposons, Monsieur le ministre, de suivre des avis que nous avons recueillis auprès des acteurs du monde culturel dans quelques régions du Burkina, des suggestions, des attentes, mais aussi, comme vous allez le voir, des ressentiments. Le Sud-Ouest a un panorama naturel qui ne dit pas son nom. Et anciennement, nous avons pensé que c'était les étrangers qui venaient découvrir ce que nous avons comme site touristique ici. Nous avons pensé aussi que la chose culturelle intéressait les étrangers. Et nous nous sommes rendus compte que c'est tout à fait le contraire. La consommation locale existe. La fréquentation de ces sanctuaires était très, très, très bonne. Parce que quand c'était en bon état, alors il y avait beaucoup de touristes. Alors, mais vous voyez, à l'état où nous sommes, ça fait que les touristes ne viennent plus. Parce que, bon, tout est tombé en décadence. Et, bon, rien ne reste, hein, puisque les animaux rentrent, ça détruit les statuettes qui sont à l'intérieur. Les sanctuaires même sont à terre, à plat. Alors donc la fréquentation n'est plus ça. Un site qui est aussi classé sur la liste du patrimoine mondial. Le site le plus célèbre qu'on a au Burkina Faso. Et seulement ce qu'on peut remarquer, c'est que la phase de la stabilisation n'est pas respectée comme il se doit. On a toujours les arbres qui menacent, toujours la grande muraille. Et ça, c'est l'une des grosses problématiques. Dès que d'année en année, nous enregistrons vraiment en tout cas plus donc de visiteurs. Quand je prends un peu vraiment en tout cas l'exemple de 2013, on est 882. 2014, donc on est monté donc à 882. Hein, 2015, on est à 1345 et 2016, on est à 1379. Depuis que je suis au musée ici, c'est une seule fois que le ministère de la Culture a subventionné d'un montant de 1 500 000 que le musée a pu avoir. Et c'est ce qui a permis en partie de changer une exposition qui durait 6 ans. Pourtant, c'est un musée qui enferme environ 1 million d'objets, témoins de la culture burkinabé. Et donc, c'est un musée qui a besoin de moyens pour mettre ces objets, ce patrimoine-là en valeur. Les difficultés sont multiples. Les infrastructures, vous voyez, cette maison, et les autres cases là-bas, ce sont ces cases traditionnelles qui constituent le cerveau du musée. Comme lui, un visiteur, il ne quitte pas l'Europe pour venir voir une maison blanche comme ça, ça ne les intéresse pas. Ce sont ces maisons pareilles qu'ils veulent. Mais s'ils viennent trouver qu'il n'y en a pas, ils sont découragés. Les habitants, vous voyez, les termites ont attaqué. À l'intérieur, vous avez vu, ça ne va pas. La dégradation au niveau de la grotte militaire de Dibougou est due seulement voilà, à une négligence, on va dire, est-ce de nos autorités ou de, voilà, sur le plan communal. Ils avaient installé des lampes, il y avait même, je crois, on avait fait un effort, on avait pris un gardien, mais qui au fil du temps voilà, a désisté parce qu'il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas quelque chose à lui donner. Les gens sont venus, ils ont arraché les fils, ils ont vandalisé le coin. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce problème-là. Cette rupture entre INAFEC et ISIS, qui a duré quand même plus de 10 ans, s'est fait ressentir. Parce que vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu de talents au Burkina. Donc ça veut dire que la formation joue un rôle important. Et les pays qui sont aujourd'hui en train de prendre les talents, c'est des pays qui ont des institutions de formation. Je parle du Maroc, je parle de la Tunisie, je parle de l'Égypte, je parle du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Nous avons vraiment besoin de matériel et pour ne pas seulement être des instruments théoriques, mais pratiques aussi. Parce que le métier du cinéma, c'est plus la pratique que la théorie. Ce fonds est une avancée significative pour l'économie nationale
en général, mais pour le département de la culture et du tourisme en particulier. En ce sens, qu'au-delà d'apporter un soutien financier aux acteurs culturels et touristiques, nous apportons un appui technique pour renforcer les capacités des opérateurs. Quand nous avons commencé les nuits atypiques, il y a de cela 22 ans, il y avait un grand engouement aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Plus le temps passe, plus au niveau des partenaires, nous avons quand même des problèmes d'appui et je dirais financiers, pas techniques. Depuis la première édition, l'État nous a toujours accompagnés par rapport à ce qu'il avait. Il ne peut pas tout faire. Mais je peux dire, quand on prend tous les festivals du Burkina, je pense que nous bénéficions quand même d'une aide assez conséquente par rapport aux autres festivals que je connais. Les difficultés sont un peu les mêmes que rencontrent les centres culturels. Hein. C'est toujours le problème de financement. Parce que notre statut, par définition, est un statut à but non lucratif. Parce que nous sommes plus dans des activités artistiques que nous développons pour le public, et donc il n'est pas question d'en faire un bénéfice, et du coup ça devient un réel problème pour nos centres. Quand vous partez dans d'autres pays où le cinéma n'est même pas très mis en valeur, mais les budgets des films sont à 200-300 millions, au Burkina, on a le FESPACO, on est le siège du cinéma africain. Wallahi, ça fait mal d'entendre que des gens tournent les films à moins de 50 millions. Et même pour pouvoir même rassembler ça, il faut vendre sa parcelle, il faut prendre des crédits ici, il faut faire ceci là. Non, c'est compliqué. La difficulté qu'on rencontre au niveau de l'entrepreneuriat culturel sont essentiellement dues au fait que le sponsoring ici est embryonnaire, contrairement à d'autres pays, j'allais dire de la sous-région ou ailleurs. On a des salles au Burkina, mais avec beaucoup de problèmes d'écho, de sonorisation, et tout ça, où l'acoustique n'est pas adaptée. Parce que tout ça, ça agrémente le spectacle et ça donne envie aux spectateurs de revenir le lendemain. Le Burkina Faso est beaucoup en retard sur le plan de la formation. On ne trouve pas des gens qui sont bien outillés dans le secteur, et les serveurs, les cuisiniers. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur le plan de financement, parce que au niveau des institutions financières, on nous demande beaucoup de garanties, ainsi de suite. Bon, donc, c'est un peu difficile pour nous. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'auberges qui ne suivent pas les règles, ni les respects des textes. Et chacun transforme sa villa en auberge. On a des factures de 2013 qui traînent toujours dans les ministères. Très difficile à résoudre. En plus, les acteurs même qui viennent pour les séminaires, c'est-à-dire les agents de l'État, les perdièmes qu'on leur donne ne leur permettent pas de loger dans les hôtels, quand bien même nous faisons des réductions drastiques de 50% de nos tarifs pour leur permettre de loger, c'est encore très difficile. Notre domaine culturel est un peu délaissé au point que on trime, on rame, mais on n'a pas le choix. Quand on met un bébé au monde, quand on ait les moyens ou pas, on est obligé d'arriver à entretenir ce bébé pour qu'il arrive là où il doit arriver. Monsieur le ministre, au nom de tous les sujets culturels de ce pays, moi je souhaite que vous continuez dans cette ligne du dynamisme culturel. Le folklore n'existe plus. Parce que la culture, c'est un tissu, c'est une couverture immense qui a des couleurs selon les lieux où on se trouve. Voilà, monsieur le ministre, que de préoccupations, que d'attentes, que de ressentiments. Alors, en écoutant donc que ces réactions, on a l'impression que rien ne va. Alors, première question, dites-nous, d'une manière générale, quelle est la place de la culture dans les politiques publiques du Burkina Faso à l'heure actuelle? Merci pour cette invitation. Il faut d'abord commencer par donner un contenu à la culture. Qu'est-ce que la culture? Parce que ils sont nombreux ceux qui ont tendance à ramener la culture à un simple jeu de danse ou à un simple jeu de divertissement. Mais la culture est plus profonde que cela. La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Au-delà de ça, bien entendu, mais il y a des éléments qu'il ne faut pas occulter. La culture
il faut savoir quel est le fondement de toute nation. Et quand on prend la définition de l'UNESCO, elle présente la culture comme l'ensemble des traits distinctifs, matériels, spirituels, psychologiques, qui caractérisent une société ou une communauté. Ça prend en compte les modes de vie, les arts, les lettres, tout un ensemble. Mais dans les différentes politiques au Burkina Faso, la culture a toujours été considérée comme un facteur de contribution au développement économique et social. Quand vous prenez la SCAD, la culture a occupé une place assez importante. Vous prenez le PNDS, dans l'axe 2 et l'axe 3, la culture apparaît comme étant un facteur stratégique de contribution au développement. Donc, à travers le PNDS, déjà, nous avons près de 13 projets qui ont été inscrits, ce qui indique clairement la conscience du gouvernement dans le travail à faire pour que la culture, le tourisme, les arts soient véritablement des éléments de développement. Oui, monsieur le ministre, apparemment les attentes sont nombreuses de part et d'autre des différents acteurs culturels et touristiques. Alors, concernant ces 13 projets, alors est-ce qu'on peut avoir quand même l'essence, le contenu de ces projets et quel impact cela aura en tout cas pour l'univers culturel et touristique? Bon, je pense que c'est une très vaste question que vous posez parce que dans le PNDS, si je dois commencer à... Il y a beaucoup de milliards, donc... à parler de ces 13 projets, ça risque d'être un monologue. Voilà, les plus en vue, quoi, voilà. Bon, les plus en vue, il y a d'abord la question cardinale de la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif. Voyez-vous, aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que le jeune, l'enfant, dès le bas âge, n'arrive pas à s'approprier des valeurs culturelles de notre nation. La conséquence, à un certain moment donné, ça devient de l'acculturation, c'est des actes d'incivisme. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de référence. Et ça, c'est très dangereux pour une nation qui veut être forte en se fondant sur ses valeurs. Donc, il y a un projet assez ambitieux qui a déjà, bien entendu, commencé avec la formation de 200 enseignants des écoles de formation ENEP. Et ça, c'est un projet pilote. Ça va se poursuivre et nous allons faire en sorte que les différentes valeurs de référence de notre nation soient incorporées dans les différents ordres d'enseignement. Et en plus de cela, on peut souligner la question des infrastructures culturelles, qui est assez fondamentale, parce que le professeur Kizerbo l'a dit, une culture sans infrastructure, c'est un vent qui passe. Au Burkina Faso, on a enregistré un certain nombre d'infrastructures culturelles telles que les salles polyvalentes qui ont été construites à l'occasion dans le cadre de la célébration du 11 décembre, la célébration tournante. Malheureusement, ce sont des salles qui ne sont pas adaptées ou qui ont simplement été mal faites. Et souvent mal entretenues après. Oui. Non seulement mal faites, mais abandonnées. Oui. Quand on veut enterrer un cadavre, il faut l'enterrer entièrement. Mais en ce qui concerne ces salles, j'ai l'impression que les pieds, même le tronc, ont été laissés dehors. Et l'effort qui doit être fait, c'est de restaurer ces salles. Nous avons donc un projet à la matière dans le PNDS. Okay. Il y a beaucoup de questions, monsieur le ministre. Nous aurons largement l'occasion de les évoquer. Ouais, soyez rassurés, jusque-là, ce n'est qu'une mise en bouche. Et tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans la première rubrique. Mmh.
Voilà, valoriser les expressions culturelles et renforcer le développement de l'industrie culturelle, tout un programme au cœur de la politique nationale de la culture adoptée en 2009. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Suivez plutôt ce reportage. Le Burkina Faso possède une richesse culturelle inestimable et les autorités gouvernementales ont à cœur d'œuvrer à sa valorisation. Du reste, le pays est surtout connu pour son dynamisme culturel, manifesté à travers l'organisation de manifestations d'envergure internationale telles le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, la Semaine nationale de la culture, le Festival international du théâtre et des marionnettes de Ouagadougou, le Festival international du théâtre pour le développement, le Festival jazz à Ouaga et bien d'autres. Le patrimoine culturel national compte une quinzaine de musées à statut public, privé ou communautaire, avec environ 20 000 objets collectés, dont plus de 13 000 inventoriés. En marge de ces vestiges, les ruines de l'Europénie sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2009. Le secteur de la culture contribue à près de 3% au produit intérieur brut et occupe plus de 1,78% des actifs burkinabés. C'est donc à juste titre que le gouvernement Paul Kaba-Tiéba entend conforter le rôle de la culture dans le développement économique par la poursuite de la mise en œuvre des actions contenues dans la politique nationale de la culture adoptée en 2009. Il s'agit entre autres de l'accompagnement technique et financier pour la promotion des artistes, de l'opérationnalisation du fonds de développement culturel et touristique, de l'inventaire du patrimoine culturel matériel et immatériel, de la valorisation et la formation des trésors humains vivants sur la transmission des savoirs et savoir-faire, de la mise à niveau d'infrastructures culturelles par leur réhabilitation et leur équipement. En outre, le gouvernement prévoit d'ici à l'horizon 2020 renforcer les capacités des acteurs des industries culturelles et touristiques, la création de conditions propices à l'expression et au rayonnement des talents des artistes, l'amélioration et l'accessibilité des infrastructures culturelles. Voilà pour ce reportage. Priorité tout de suite aux questions des citoyens que nous avons recueillis sur le terrain. Et tout de suite, nous suivons la première question. Monsieur le ministre, pourquoi le musée de Bobo, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas le soutien financier, surtout qu'il doit avoir pour jouer son rôle? Monsieur le ministre, la question est tout à fait claire. Pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas de soutien pour le musée de Bobo? Je pense que c'est une question qui nous interpelle parce que dans le cadre du processus de la décentralisation, avec à travers le décret de 2009 portant transfert des compétences et des ressources aux collectivités, donc le musée de Bobo-Dioulasso a été transféré à la commune. Et à partir de ce transfert, il appartient donc à la commune d'insérer dans son programme de développement communal la question culturelle et touristique, bien entendu, en essayant de prévoir un certain nombre d'accompagnements pour ce budget. Cela n'a pas encore été fait, tel que nous l'avons constaté. Monsieur le ministre, mais est-ce que le département s'est lavé les mains là, ce transfert? Non, le département ne peut pas se laver les mains dès lors qu'il est là pour accompagner les collectivités. Nous avons déjà formé les collectivités, notamment les 13 communes des chefs de région, sur les techniques d'élaboration de programmes de développement communal. Et ça, c'est la preuve que le ministère est proche des collectivités et est prêt à les accompagner pour prendre en charge de façon effective leurs attributions. Sur le point du musée de Bobo, nous allons essayer de travailler avec la commune pour que ce musée retrouve sa splendeur d'antan. Je pense que c'est bien noté. Nous allons suivre tout de suite, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, donc la deuxième question. Comment un centre culturel qui n'a pas pour vocation de développer des activités lucratives peut être accompagné de façon permanente pour continuer de faire son travail? Monsieur le ministre, les centres culturels qui n'ont pas un but lucratif, voilà, et qui apparemment croulent, en tout cas, sous des difficultés.
Bon, c'est une question, une fois de plus, qui nous interpelle parce qu'il y a assez de centres culturels qui visent la promotion des activités culturelles, qui visent la promotion de notre patrimoine et de nos valeurs, mais qui ne sont pas suffisamment accompagnés. Nous avons, de façon ponctuelle, apporté des appuis financiers et techniques à ces centres, mais la question telle qu'ils posent, c'est de savoir comment mettre en place un accompagnement permanent. Sur ce point, il faut dire que le ministère n'a pas les ressources qu'il faut pour accompagner de façon permanente tous les centres culturels qui ont vocation à s'investir dans la promotion de notre culture. Mais lorsque des projets culturels sont initiés, il appartient donc à ces centres de saisir le ministère pour qu'on puisse voir dans quelle mesure accompagner, au regard bien entendu de l'impact que le projet peut avoir dans notre environnement culturel et touristique. Mais est-ce que, monsieur le ministre, vous avez communiqué un peu sur ces possibilités justement d'avoir des projets financés à votre niveau? Non, mais le ministère a toujours été sollicité quand il y a des projets culturels qui sont envisagés. Les centres culturels, nous sommes des partenaires. Et je pense que lors de la journée de la fête de la musique, j'ai fait le tour de pratiquement tous les centres culturels de la ville de Ouaga pour m'imprégner de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, notamment des employés. Mais à l'issue de ce passage, par rapport à un certain nombre de faits qui ont été relevés, nous avons apporté des soutiens. Okay. Maintenant, s'il y a des activités, nous sommes appelés à apprécier, parce que ce n'est pas toutes les activités que le ministère peut accompagner au regard de la modicité des moyens qui sont à notre disposition. Par ailleurs, avec également la mise en place du Fonds de développement culturel et touristique, qui prévoit des subventions pour des projets non marchands, je pense que cette structure également peut être utile lorsqu'il s'agira d'apporter un appui à ces centres culturels. Oui, monsieur le ministre, encore une question que nous avons recueillie sur le terrain. Suivez plutôt. La question reste posée, qui va venir en aide au village Opéra pour terminer les infrastructures qui ont été commencées et pour construire aussi l'Opéra? Voilà, monsieur le ministre, le village Opéra de Lango, oui, qui cherche désespérément un soutien pour la finition. Quelle réponse, monsieur le ministre? Il faut dire que le village Opéra de Lango, c'est une très belle initiative d'un Allemand, je crois, monsieur Christophe, paix à son âme. Schlingensief. Voilà. Bon. Je pense que cette initiative a permis de mettre en place une infrastructure assez originale, quelle que soit la chaleur. La toiture a été faite de telle sorte que, quelle que soit la chaleur, il y a de l'air assez agréable qui vous souffle. Et puis, vous ne sentez pas véritablement les difficultés liées à la température. Il y a des écoles qui ont été construites. Il y a un dispensaire avec une maternité. L'État a accompagné ce projet à travers la mise à disposition d'un site, notamment d'un terrain, et à travers également l'accompagnement pour les installations électriques et de l'eau. Aujourd'hui, il y a une prise en charge du volet santé et du volet éducation par l'État. La spécificité même sur le plan de la formation à l'école, c'est que cette école est déjà en avance sur la vision du ministère de la Culture par rapport à la valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif, parce qu'il y a des modules sur l'art et la culture qui sont déjà dispensés. Ce qui indique naturellement que le ministère ne peut pas être étranger à la situation de l'Opéra de Lango. Tout ce que nous pouvons dire, il y a actuellement un projet de construction d'un théâtre de près de 600 places. Il y a déjà un peu de matériel qui est arrivé. Le ministère se met à la disposition de l'ONG, notamment l'épouse du défunt, pour voir
comment on peut soutenir les projets de recherche de fonds pour achever cette belle initiative. Ok, mais est-ce que vraiment au-delà du cri du cœur de M. Abdoulaye Ouédraogo, est-ce que peut-être le ministère ne gagnerait pas vraiment à aller documenter quand même les différents soucis qu'il y a pour quand même apporter un appui conséquent quand même pour permettre pourquoi pas à l'opéra d'être autonome? Ouais. Bon, toutes les options sont envisagées. Ouais. Le ministère a des structures qui sont assez ouvertes et qui suivent avec attention l'évolution de ces genres de situations. Dès lors que le contact est maintenu, je pense que toutes les options sont possibles. S'il y a la possibilité pour le ministère d'accompagner l'achèvement de cette infrastructure, c'est avec un grand plaisir que nous allons nous engager. Alors, Monsieur le ministre, s'il y a un fait qui aura marqué l'année 2016 et peut-être, en tout cas au-delà, votre première année donc à la tête de ce département, ce sont donc ces trésors du Faso, alors qu'on a organisé dans les 13 régions du Burkina Faso. Alors, quel bilan on peut en faire aujourd'hui? Bon, pour les trésors du Faso, personnellement, je pense que ça nous a permis de déceler à l'intérieur du Burkina Faso, dans les zones les plus reculées, des talents, des richesses touristiques, culturelles, artistiques. L'idée des trésors du Faso, si vous me permettez, j'étais allé un jour dans mes tournées dès ma prise de fonction, j'arrive dans un village en griffe perdue, et le cadeau qu'on m'offre, c'est une œuvre d'art exceptionnelle. Je ne peux pas imaginer qu'un tel talent soit caché dans une telle localité. C'était quoi exactement? Une peinture? Une sculpture? Lorsque tu viendras dans mon bureau, tu le verras. En tout cas, il trône bien au niveau de mon bureau et je suis fier d'observer cette œuvre chaque matin avant de commencer le travail. Je me suis dit, on ne peut pas concentrer les activités culturelles et touristiques dans la capitale, à Bobo-Dioulasso, alors que nous avons des talents qui sont cachés. Le Burkina Faso est un vaste champ d'opportunités, de potentialités culturelles et touristiques, mal connues, mal exploitées. Et je me suis dit, avec mes collaborateurs, il faut urgentement engager une action forte pour mettre en lumière ces potentialités, pour les découvrir, les encourager et créer une saine émulation entre eux. Nous avons eu l'accompagnement des partenaires, nous avons eu l'accompagnement des différentes chancelleries ici présentes et nous avons pu distribuer près de 15 millions d'encouragements aux lauréats. Nous avons distribué autour de 180 trophées aux meilleurs. Nous avons devant près de 8 000 spectateurs en moyenne, permis à des artistes qui n'ont jamais eu le rêve de prester devant un tel public, de le faire avec passion. Et aujourd'hui, le Sénaza est en train, pour ce qui concerne les révélations musicales, de les produire. Pour ce qui concerne les révélations littéraires, il y a un processus qui est engagé pour l'édition des œuvres primées. Pour ce qui concerne les restaurants qui ont été primés, donc il y a la formation. Pour ce qui concerne les établissements touristiques, il y a également l'accompagnement qui est là. Je ne parle pas d'autres éléments des dix révélations que les trésors du Faso ont effectué dans chacune des régions. Oui, Monsieur le ministre, justement, les gens, beaucoup ont condamné quand même le fait que les trésors du Faso sont venus de manière brusque et pratiquement ces trésors du Faso aussi ont été budgétivores. Alors, est-ce que c'est votre constat? Si on devrait budgétiser les trésors du Faso,
on n'allait pas être là en train de parler de 15 millions affectés aux différents lauréats ou de parler, on allait parler en termes de centaines de millions. Ce n'est pas le cas. Les artistes qui pressent, bon, qui prestent, ils ne demandent pas de cachet. C'est juste le carburant, le transport et puis peut-être les frais d'hébergement. Les troupes qui viennent, elles ne demandent pas de cachet. Quand vous prenez les différents sponsors qui nous accompagnent, mais c'est leur cœur qui parle. C'est leur cœur qui parle. Si on devrait mettre en avant le coût des trésors du Faso, le ministère n'allait pas être capable de les organiser. Okay. Ici, il s'agit d'une dynamique d'ensemble qui a été engagée. Tous les acteurs s'y sont retrouvés. Dans les régions, ce sont les opérateurs économiques qui accompagnent, ce sont les chefs coutumiers qui accompagnent, ce sont les représentants de l'administration qui accompagnent, et on arrive avec peu de moyens à réussir une grande activité dans une ville, avec bien entendu tout l'impact que cela enregistre. Et quelle est la suite à présent de ces trésors du Faso? Est-ce qu'après les 13 régions, c'est le point final ou est-ce qu'il y a une suite? La culture ne doit pas se limiter à la révélation de quelques acteurs et s'arrêter là. Parce que c'est une vie qui est permanente. Les acteurs culturels naissent chaque jour. Et si on doit arrêter le processus, ça veut dire qu'il y aura, à un certain moment donné, une rupture par rapport à la détection des talents. Et quand vous dites que c'est un peu spontané, mais n'oubliez pas qu'il y a un objectif général. Dans le programme présidentiel, il y a la détection des talents. Donc, à l'intérieur de ce programme, cette activité concourt bien entendu à la détection des talents et bien entendu à leur accompagnement pour leur permettre aussi de briller sur le plan national et international. Donc, les trésors du Faso vont se poursuivre, peut-être avec la prise en compte d'un certain nombre d'observations pour essayer d'améliorer l'organisation. Oui, on sait que vous êtes un brillant détecteur de talent parce que on sait que vous êtes producteur et notamment vous avez eu à produire l'album de Maïs quand même qui a cartonné à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui devient l'artiste? Bon, je pense que depuis sa dernière œuvre, il n'a pas mis sur le marché une autre œuvre. Je ne suis pas aussi brillant détecteur de talent. Maïs, si j'ai produit Maïs, c'est parce qu'on vivait dans le même célibatorium. Et comme chaque jour, quand je sortais pour aller au service, je le voyais sa guitare, chantait « Je n'ai que ma voix ». Je me suis rendu compte que sa voix n'était pas ce qu'il avait seulement. Je pense que, en plus de sa voix, il avait une grande valeur artistique qu'il fallait mettre en avant. Et c'est de façon spontanée qu'avec un ami, on a essayé de faire ce qu'on doit faire. Alors, Monsieur le Ministre, au-delà de ce cas qu'on peut dire particulier, d'une manière générale quand même, les artistes burkinabés, on a beaucoup d'artistes burkinabés qui croupissent, disons-le, dans un dénuement. En tout cas qui est assez affligeant. Total. Alors qu'est-ce qui, à votre niveau, en tout cas est envisagé pour accompagner les artistes de sorte que, parce que comme on l'a dit, ce ne sont pas la plupart du temps des œuvres peut-être qui peuvent tout de suite être rentables et permettre à ces artistes-là de subvenir à leurs besoins. Quel accompagnement peut être envisagé pour ces artistes? Ce que vous dites est une question qui nous préoccupe. Vous voyez, dans les pays occidentaux, par exemple aux États-Unis, les plus riches, ce sont les artistes. Comment se fait-il que dans nos pays, au Burkina Faso, en griffe, les plus misérables se recollent parmi les artistes? Cela n'est pas normal. On l'a dit, un artiste, c'est un inventeur d'âme. Un inventeur d'âme? Il faut qu'il soit mis dans des conditions qui puissent lui permettre de créer, qui puissent lui permettre d'inventer,
qui puisse lui permettre d'élever le niveau de conscience culturelle dans sa nation. La question a été examinée. Nous avons discuté avec le DG du BBDA, M. Bara Walib. Et le projet qui a été engagé, c'est de créer un fonds d'aide aux créateurs âgés. Et ces créateurs âgés, je pense que l'âge qui avait été retenu, c'est 55 ans. Nous avons engagé une activité de récolte de fonds. C'était, je crois, au CIAO, ou bien c'est... Lors de la rentrée... Ça nous a permis de récolter 18 millions de francs CFA, de façon spontanée. Les gens se sont exécutés. Et avec ces 18 millions, nous pouvons prendre en charge 100 artistes pour 2017, 100 artistes âgés d'au moins 55 ans, en raison de 50 000 francs par trimestre pendant un an. Et si ce processus réussit, je pense qu'avec les différentes contributions qui se poursuivent, on peut élargir le champ et permettre à nos artistes de vivre dignement et d'être... Ça, on peut dire un peu que c'est conjoncturel et ponctuel. Est-ce qu'il ne faut pas institutionnaliser quelque chose? Il y a des cas quand même dans la ville de Ouagadougou, quand vous prenez un artiste comme Toufélé, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais on sait qu'ils ont fait rêver quand même des générations de Burkinabés. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment donc ces stars, entre guillemets, sont devenues, bon, c'est affligeant. Est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être institutionnaliser quelque chose pour éviter des cas de ce genre? Bon, l'institutionnalisation peut poser un petit problème parce qu'ils sont nombreux. Les quand je prends déjà au niveau du BBDA, il y a près de 7300 créateurs qui sont inscrits au BBDA. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut envisager de façon institutionnelle, mais à travers déjà la mise en place de la mutuelle des artistes qui est en cours, le ministère va suivre de près ce processus et voir comment on peut techniquement et même financièrement accompagner pour que les artistes qui arrivent à s'inscrire dans cette mutuelle et puissent véritablement avoir des soutiens quand ils seront dans le besoin. Oui, mais est-ce que le statut de l'artiste, qu'on a longtemps travaillé là-dessus, même le gouvernement est revenu à travers des adoptions du statut, est-ce que vraiment le statut de l'artiste n'est pas approprié quand même pour résoudre un certain nombre de problèmes? Oui, c'est la prérogative qui a été conférée à la Commission nationale des arts, qui est une structure prévue dans le statut de l'artiste. Et nous avons mis en place cette commission en fin d'année, qui est fonctionnelle, et elle sera chargée de donner ses avis sur toutes les politiques pour permettre quand même aux artistes d'avoir une vie véritablement digne. Okay. Mais pour le moment, nous sommes en train de réfléchir pour voir avec tous ceux qui œuvrent dans le domaine culturel, dans le domaine de la promotion de notre patrimoine, nous voyons avec eux tout ce qui est possible pour mettre en place au moins un système qui puisse permettre aux artistes de vivre décemment. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes à quelques jours de la Biennale du cinéma africain à Ouagadougou, le FESPACO. On l'a vu en début d'émission, les acteurs du monde du cinéma entre griffes, en ont gros sur le cœur. Il y a cette question lancinante du financement même du cinéma aujourd'hui au Burkina Faso. Alors, toutes les sources pratiquement aujourd'hui ont tari, disons. Alors, est-ce que le cinéma burkinabé aujourd'hui n'a pas mal à son financement? Est-ce que ce handicap-là aujourd'hui occupe une place importante dans votre approche? Bon, ce n'est pas le cas du Burkina seulement. La problématique du financement du cinéma est posée et les États essaient à leur niveau de proposer des solutions. Nous avons été heureux de constater que la Commission africaine est en train de mettre en place une commission de l'audiovisuel et du cinéma qui va certainement faire des propositions assez intéressantes sur l'accompagnement des cinéastes. Au Burkina Faso, pour le moment, en dehors de la ligne budgétaire qui existe dans notre budget,
nous pouvons orienter les cinéastes vers le Fonds de développement culturel et touristique. Le Fonds de développement culturel et touristique sera opérationnalisé en 2017 avec déjà une dotation de 400 millions de l'État. Il y a les partenaires financiers et techniques à travers notamment la contribution de la Suisse qui a accompagné avec près de 100 millions. Donc pour nous c'est un début et ce fonds est mis à la disposition des entreprises culturelles et touristiques pour pouvoir engager des projets. En ce qui concerne les cinéastes, en dehors de ce mécanisme, il y a des possibilités d'envisager par exemple la coproduction. Quand vous prenez au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un accord de coopération culturelle qui existe entre nos deux pays et ils ont mis en place un fonds de soutien à l'industrie cinématographique qui accompagne, je crois, certains cinéastes burkinabés. Et c'est des mécanismes qui existent, mais pour le moment... Pourquoi on ne mettrait pas en place ce fonds au Burkina aussi si ça marche? Non, ce fonds est intégré dans le Fonds de développement culturel et touristique. Et n'oubliez pas, le Fonds de développement culturel et touristique qui figure dans le PNDS prévoit une mobilisation de près de 21 milliards de francs CFA sur 5 ans. Donc 21 milliards sur 5 ans, en principe, cela doit être à mesure d'accompagner les projets culturels et touristiques. Oui, est-ce que vraiment, au-delà du numérique qui a quand même révolutionné ou perturbé un peu le secteur du cinéma, en permettant aux uns et aux autres aussi de faire des films à petit budget, est-ce que cela n'a pas vraiment un impact aussi sur la qualité du film? On a vu au niveau du VTR, justement, on parle du problème des réalisateurs burkinabés qui n'ont plus eu l'étalon Yenenga depuis quelques années. Non, je ne pense pas que cela soit lié au numérique. Le numérique est une exigence des nouvelles technologies. On ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, avec le FESPACO, nous sommes en train de numériser les salles de projection. On n'a pas le choix. Et au-delà du FESPACO, il faudrait que les salles de cinéma burkinabè soient numérisées. Maintenant, en ce qui concerne la production des films, ça c'est lié à la qualité du réalisateur, à la qualité du cinéaste. Il y a des films qui sont réalisés sur cette base au Nigeria, mais qui sont des films de grande qualité. Moi, je pense que cela n'a pas véritablement un lien. C'est une exigence liée au producteur lui-même. Monsieur le ministre, mais la qualité du réalisateur est liée à la qualité de la formation. Et on l'a vu également, il y a eu donc cette rupture entre l'INAFEC et puis l'ISIS. Au-delà de ça, l'ISIS actuellement, on a vu une étudiante qui a expliqué également les problèmes qui sont rencontrés. Beaucoup de théories et peu de pratiques, voilà, pour cause de manque de matériel. Est-ce que ce n'est pas là aussi le nœud du problème? Bon, l'ISIS connaissait des difficultés. Je crois qu'à travers la célébration de ses 10 ans, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été posées. Et le ministère de la Culture s'est engagé à accompagner financièrement l'ISIS pour résoudre un certain nombre de problèmes liés aux équipements, aux salles et autres. Si l'ISIS retrouve toute sa capacité en termes de qualité de formation, il n'y aura aucune raison que le problème soit posé. Monsieur le ministre, une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina est toujours la capitale du cinéma africain? Mais naturellement. Est-ce que ce n'est pas un slogan peut-être qui est aujourd'hui désuet? Bon, le slogan est peut-être désuet dans l'esprit de ceux qui veulent arracher le FESPACO au Burkina Faso. Nous nous sommes battus, malgré nos difficultés économiques, malgré nos contraintes, nous nous sommes battus pour organiser de façon discontinue le FESPACO au Burkina Faso. Et le FESPACO au Burkina Faso a une histoire. Nous ne pouvons pas occulter cette histoire et laisser cette fête mourir comme certains le croient. Oui.
Monsieur le ministre, on est à quelques jours de l'ouverture officielle du FESPACO. Alors, en termes des préparatifs, de points, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle? Est-ce que vraiment, côté sécurité, côté accueil, côté, disons, présence quand même d'un certain nombre de personnalités, on vous a vu récemment en Côte d'Ivoire, alors est-ce que vraiment tout ce monde-là sera là? D'abord, côté sécurité, je pense qu'il n'y a pas lieu de trop parler de dispositions ou de stratégies sécuritaires en place. Oui. Parce que si vous dites à un voleur que vous l'attendez dans votre salon avec un gourdin, il peut venir même avec une simple lance-pierre, il vient, il vous dévalise et il vous rase, ajoutez. Mais c'est bon quand même. Donc c'est mieux de rassurer, se préparer. Nous, on ne va pas dévoiler les stratégies sécuritaires qui ont été mises en place. D'accord. Tout ce que nous pouvons dire, il y a d'abord le dispositif sécuritaire à l'échelle nationale qui est en place suite aux menaces et aux attaques terroristes qui ont frappé notre pays. Mais en dehors de ça, il y a la commission sécurité qui a été mise en place. Et cette commission travaille discrètement pour permettre au Burkina Faso de relever le défi de l'organisation du FESPACO. Nous disons à tous les festivaliers, à tous les Burkinabés, que les dispositions ont été prises, pas d'inquiétude. Le FESPACO, Inch'Allah, va se dérouler dans de bonnes conditions. Alors, monsieur le ministre, difficile de passer sous silence cette question également des salles de ciné au Burkina Faso. Alors, à ce niveau, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés des salles de ciné qui sont devenues aujourd'hui des magasins. Alors, des villes entières où il n'y a pratiquement pas de salles de ciné. Alors, en la matière, qu'est-ce qui est fait exactement? Je crois que sur la question des salles de ciné, le gouvernement s'est engagé à réhabiliter 15 salles de ciné au Burkina Faso, réparties dans les différentes régions. Cette année, nous avons retenu la salle de Fada et celle de Gawa. En termes de construction de nouvelles salles, il y a le groupe Vivendi qui vient en un temps record de bâtir une salle de ciné, de haute technologie qui sera inaugurée dès ce vendredi. Vous êtes invités et c'est la preuve que le Burkina Faso reste toujours la capitale du cinéma et que cette marque va véritablement se poursuivre contre vents et marées. Mais il y a le cas de la seconde ville, Bobo-Dioulasso, oui, qui jusqu'à présent, en tout cas, n'a pas de salle de ciné véritablement fonctionnelle. Bon, nous sommes pour le moment en train de réfléchir sur l'accompagnement ou la collaboration avec la CNSS qui a été bénéficiaire de la rétrocession des salles de ciné, notamment Ciné Burkina, oui, et je pense Ciné Saillon. Bon, il y a quand même un certain nombre de constats amers qui ont été faits, notamment au niveau de la gestion de la salle du ciné Burkina. Nous allons véritablement suivre ce dossier avec grande attention et on dira ce qui a lieu de dire quand cela va s'imposer. Certains quand même avaient dénoncé même un monopole dans la gestion, monsieur le ministre. Bon, nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Vous avez vu que la question des salles, à un moment donné, a été privatisée. Donc l'État s'est désengagé. Et suite à ce désengagement, il y a eu un certain nombre de conséquences. Il faudra travailler à amenuiser ces conséquences tout en restant dans la vision qui a été tracée au début. Alors, une vingtaine de films burkinabés en compétition? Monsieur le ministre, est-ce qu'on a une petite chance cette année? Pas de film burkinabé, long métrage. Le long métrage. Voilà. Ouais. Oui, il y a trois films. Oui. Il y a trois films de long métrage qui figurent parmi les 20 en compétition pour les talons de Yenega. Le film d'Adama Wamba,
Il y a également Ayuri, le film de Tassere Monomo, Tassere Ouedraogo. Voilà. Il y a le film de Apolline Traoré. Frontières. Et Apolline Traoré, son film va faire l'objet d'une projection en première à l'ouverture du FESPACO. Okay. Et nous espérons que ces films vont dignement nous représenter pendant cette édition. Mais dans l'ensemble, il y a près de 150 films en compétition qui ont été sélectionnés sur plus de 1000 films enregistrés. Pour cette édition du FESPACO, on aura droit à près de 450 projections avec près de 100 000 spectateurs attendus. C'est un FESPACO de tous les engouements. Il y a un peu partout des demandes de participation que nous enregistrons à l'échelle africaine. Et ça, c'est la preuve que quelque part, le Burkina Faso est en train de se présenter comme un véritable acteur incontournable du cinéma africain. Monsieur le ministre, nous allons progresser dans cette émission et puis nous allons passer à la deuxième rubrique. Voilà, faire du Burkina Faso un pays de tourisme. Le défi est immense. Problème d'accessibilité, d'infrastructures d'accueil, de réhabilitation et de conservation des sites. Le point dans ce reportage. La destination Burkina Faso est prisée par les touristes à cause du dynamisme culturel du pays et surtout de son potentiel touristique. Des cascades de Banfora aux crocodiles sacrés de Sabou et de Bazoulé, des pics de Sendou aux sculptures sur granit de Lango, du mausolée de Gimbi Ouattara au sanctuaire des rois Gan à Gawa, pour ne citer que cela, c'est un éventail de richesses offertes aux visiteurs qui apprennent de la nature et du génie des hommes. Le tourisme burkinabé est un véritable moteur de développement en dépit des défis sécuritaires qui sont les nôtres. Le secteur enregistre chaque année environ 1,5 million de visiteurs étrangers, générant de fait une épargne en devises étrangères et la création d'emplois directs et indirects. D'où la poursuite des actions en vue de son développement par le gouvernement. Pour la seule année 2016, le ministère en charge de la culture a procédé, entre autres, à la mise à niveau d'infrastructures touristiques par leur réhabilitation et leur équipement, au renforcement de l'attractivité touristique dans la zone de l'Ouest, au lancement du processus de classement des restaurants et hôtels pour assurer le contrôle de la qualité des prestations et à la participation du Burkina Faso à des salons internationaux. D'autres actions sont prévues à l'horizon 2020. Il s'agira notamment d'améliorer la qualité et la compétitivité de l'offre touristique nationale afin de promouvoir l'image du Burkina Faso comme destination privilégiée des touristes, d'opérationnaliser le fonds de développement touristique et sa dotation suffisante en ressources pour accompagner les initiatives privées et publiques, et d'assurer l'appui aux collectivités territoriales afin qu'elles puissent exercer pleinement leurs compétences en matière de gestion des activités touristiques dans leurs espaces respectifs. Voilà pour ce reportage, Monsieur le ministre. Et tout de suite, la première question d'un citoyen. Est-ce que, au regard même de votre attachement à cette histoire de grotte, est-ce que vous avez un regard par rapport vraiment à la visibilité de cette grotte aujourd'hui? Monsieur le ministre, notre question c'est de voir comment le ministère peut appuyer l'union de la Genève en train de Djibouti à réaliser ses activités chaque année pour que le site de la grotte militaire soit visible à travers le monde entier. Monsieur le ministre. Bon, je pense que cette grotte, apparemment, elle constitue la principale attraction touristique de la Bouguriba. Mais ce n'est pas un problème, même si vous n'avez et qu'une seule dent, l'essentiel qu'elle soit blanche. Au niveau de cette grotte, le plus important, c'est de l'aménager.
Nous avons fait un tour dans la grotte qui est assez particulière, exceptionnelle, malheureusement qui manque d'aménagement. Nous avons engagé une étude architecturale qui a été lancée. Je crois dès lors que les résultats vont tomber, nous allons procéder au travail qui s'impose. Alors tout de suite, la deuxième question, toujours d'un citoyen sur le terrain. Le ministère va faire quoi avec ces guides-là qui sont en train aujourd'hui là de désister parce qu'aujourd'hui, le boulot ne nourrit même pas son nom. Le ministre, c'est clair. Oui. Mon cher guide, ce que je peux vous dire, votre avenir, s'il me regarde, votre avenir est lié à l'avenir du tourisme. Chaque Burkinabé et chaque guide doit être ambassadeur, doit être promoteur des différents sites qui existent. On doit se battre pour que le tourisme soit relancé. Si vous prenez les mécanismes de sélection des guides, le ministère ne fait que faire un test de sélection. Et ceux qui sont retenus sont formés sur les techniques de guidage. Mais on ne peut pas dire à ce guide qui est un travail autonome, qui est un travail privé, qu'il y aura un accompagnement en termes salariales. Voilà. Nous allons nous battre avec ces guides, avec tout ce qu'il y a comme structure de promotion de la destination de Burkina Faso, pour que le tourisme renaisse. Et si le tourisme renaît, les guides vont renaître. Oui, mais justement, pourquoi dans l'approche, pour un certain nombre quand même de sites touristiques assez importants, justement, le ministère aussi n'essaie pas quand même d'encadrer ce domaine parce que c'est quand même très important. Et on a vu aussi que, justement, avec le problème de sécurité dans le Nord, par exemple, il y a des sites aussi, des guides qui sont pratiquement, comme on dit, désœuvrés et qui ne savent pas quoi faire. Il faut dire qu'un guide, il y a d'abord la question de la vocation qui est là. Il y a la question de l'attachement au site. Et le guide ne peut pas se contenter de recevoir des visiteurs. Il y a tout un travail qu'il peut faire pour stimuler, pour accroître l'attractivité de la zone. Quand je prends par exemple celui qui a été consacré meilleur guide touristique de la région du centre-est, pour la zone touristique qu'il gère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une ferme piscicole. Donc, ceux qui ont envie de pêcher, ceux qui ont envie d'aller se distraire, un peu de loisir, ils vont tranquillement, ils font leur pêche. Mais c'est un guide. Il a cette initiative. Oui, mais donc, quand je prends, par exemple, dans les pays de l'Afrique de l'Est, comme le Kenya, je pense que, quand même, côté tourisme, surtout au niveau des guides, c'est vraiment assez dynamique. Pourquoi le Burkina, par exemple, ne se mettra pas, par exemple, à l'école de ces pays-là qui ont vraiment un tourisme assez important et qui un tourisme qui fait bouger pratiquement les autres secteurs. C'est ce que je suis en train de vous dire. La responsabilité du ministère, c'est de procéder à la sélection des personnes susceptibles d'être guides. Deuxièmement, c'est de procéder à leur formation. S'il y a des accompagnements à faire, je ne vois pas ce qu'on peut faire en plus de cela. Le reste, cela relève de la responsabilité personnelle du guide en question. Mais nous avons quand même des guides exceptionnels. Quand vous prenez le guide de Mausolée de Tchoufo Amouro, mais il est exceptionnel. Vous prenez le guide, j'étais allé à Fada, celui qui nous a envoyé au niveau du Baobab, où il y a les traces. Où il y a les traces des sabots. Des sabots. Mais s'il vous dit comment ces traces ont été effectuées, vous allez vous... On dirait que c'est un film que vous êtes en train de regarder. Monsieur le ministre, on vous a compris, donc c'est au guide de se battre. Maintenant, oui. Monsieur le ministre, ce qu'on remarque également, c'est qu'on a quand même des sites touristiques
de renommée internationale. Je vais citer donc les ruines de l'Europénie, qui constituent donc notre seul site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, on est surpris de voir que le guide sur le site estime que le site même jusqu'à présent n'est pas encore sécurisé et qu'il y a toujours des risques, en tout cas que l'on perde des pans, en tout cas de, comment on appelle ça, de joyaux. Et Emmanuel, là-dessus, je voudrais compléter, monsieur le ministre. Il nous revient quand même qu'il n'y a pas de soutien de l'État pour poursuivre les fouilles, ce qui est quand même important pour davantage crédibiliser ce site. Et il y a aussi une réticence des agents de votre département à rejoindre le site où il y a déjà des bâtiments, mais qui demeurent inoccupés. Alors. Bon, je pense que la question des ruines de l'Europénie, pour ce que le guide a dit, il faut quand même relativiser. Okay. Le projet d'inscription des ruines de l'Europénie au patrimoine mondial de l'humanité avait préalablement échoué. Et l'échec était dû au fait que les travaux de stabilisation n'avaient pas été effectués avant 2009. Et c'est à l'issue de ça que le docteur Saint-Pourré a engagé un dossier qui a été structuré autour des travaux de stabilisation des ruines de l'Europénie. Ces travaux ont pris 2 mois avec plus d'une vingtaine de travailleurs. Et ce travail de stabilisation a été fait et c'est ça qui nous a valu l'inscription. Et ensuite, en plus de cela, le travail s'est poursuivi en 2011. Dans l'ensemble, la stabilisation ne se fait pas de façon désordonnée. Il y a d'abord des pathologies qu'il faut déceler dans la structure des ruines. Et en son temps, c'est 10 pathologies qui ont été décelées. Donc c'est en fonction des spécificités de ces pathologies que le traitement est effectué. Quand vous prenez un arbre qui pousse à l'intérieur des ruines, selon que l'arbre a des racines profondes ou des racines latérales, il y a un traitement particulier. Ce n'est pas comme ça que le travail de stabilisation se fait. Dans le PNDS, nous avons prévu 2,2 milliards de francs CFA pour les ruines de l'Europénie qui prennent en compte la protection et la conservation, qui prennent en compte la promotion et qui prennent en compte également l'aménagement. Et c'est un travail qui se fait de façon périodique. Vous dites tout à l'heure que les travaux de recherche n'ont pas été faits. Mais rien que l'année passée, les chercheurs sont venus, une dizaine de chercheurs, notamment de France, de Côte d'Ivoire et autres. Mais des fouilles ont été menées. Il y a par exemple des céramiques qui ont été enlevées. Il y a des éléments ferriques, notamment les lames de Daba et autres qui ont été enlevées. Et certains transportés au centre archéologique d'Europe pour être analysé et traité. Donc il y a un travail qui se fait. En termes de promotion, nous avons cette année 2000, au cours de l'année 2016, on a effectué le cross, notamment avec le soutien des forces armées. Mais vous avez vu toute la visibilité qui a été faite pendant cette période. Sans oublier les différents ouvrages qui sont édités à propos des ruines de l'Europénie. Il y a également les brochures qui existent. Donc, il y a un travail qui se fait. Il y a l'aménagement qui a été fait. Au-delà du site de l'Europénie, on sait que le Burkina Faso regorge de sites touristiques qui valent le détour. Mais est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème au niveau de la promotion? Parce qu'aujourd'hui, les sites touristiques, c'est à travers la participation à des salons internationaux, c'est à travers la promotion sur les grandes chaînes que l'on pourra faire venir les touristes. Mais est-ce que ce n'est pas là qu'il y a le problème? Est-ce qu'il n'y a pas manque, en tout cas, de financement pour la promotion du secteur touristique? Permettez-moi de dire, il y a un préalable. Le préalable, c'est de faire en sorte que la question de l'alerte sécuritaire soit traitée. On ne peut pas colorer notre pays avec des couleurs qui repoussent et vouloir faire un travail de promotion. Quand vous prenez les statistiques même au niveau du consulat général de France, en 2014, il y avait près de 12 000 visas de demande pour le Burkina. 2015, réduction à 9 000. Et en 2016, 8 000. Ça ne fait que baisser parce que simplement
il y a cette préoccupation. Tant qu'on ne va pas rassurer les touristes étrangers sur la fiabilité de la destination du Burkina, personne ne viendra. Moi, je me rappelle, si vous me permettez, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais il faut que je le dise. Nous, on était en Côte d'Ivoire, et quand j'avais 8 ans, mon père me dit que tu viendras à Gawa pour étudier. J'étais très heureux parce qu'il m'a dit que si tu viens là-bas, les maîtres ne frappent pas. Et en plus de cela, il y a assez d'espace pour s'amuser. On a commencé à applaudir. Et au moment où on se préparait pour venir, il y a un de nos oncles qui arrive. Il dit que vous partez à Gawa. On dit oui, mais c'est dangereux. Parce que là-bas, si au moment où vous partez aux toilettes, vous ne devez pas regarder derrière. Parce que si vous regardez derrière, vous serez fléché. Moi, j'ai juré, j'ai dit, je ne viens pas. Donc, si la question de la sécurité n'est pas traitée de façon normale, quels que soient les efforts de promotion que nous allons faire, les touristes ne viendront pas. Mais monsieur le ministre, pourquoi on se focalise tant sur les touristes qui viennent de l'extérieur? Parce que le tourisme local également, quand même, jusqu'à présent, est faiblement promu, disons. Ça, c'est un volet. C'est un volet de la question. Pour le tourisme local, il y a une stratégie qui est là, notamment le projet Connais-tu mon beau pays. Nous avons des circuits touristiques que nous organisons, même pour les trésors du Faso. Nous avons organisé 13 circuits touristiques. Il y a des actions de visibilité qui vont être menées. Il y a les actions de promotion, de communication qui vont être faites, les affiches et autres. Ça, c'est pour accroître le tourisme interne. Mais parlant du tourisme interne, si, en termes de communication, par exemple, à l'issue d'une attaque, si le traitement médiatique n'est pas bien fait, on entretient la psychose, on entretient la peur. Je vois mal des établissements en train de s'organiser pour aller visiter un site au Sahel avec toute l'information qui circule. Oui. Donc, il y a toute une stratégie qu'il faut prendre en compte avec, bien entendu, les actions de promotion que nous devrons engager. Oui, je pense que généralement, les médias quand même font un constat plus ou moins irréel sur le terrain. Je pense que plutôt la préoccupation, c'est surtout sur les réseaux sociaux où, quelquefois, l'information n'est pas, comme on dit, recoupée et souvent. Et le problème, c'est qu'on ne sent pas un peu une action du ministère de la Culture pour au moins démentir et restituer un peu l'information. Mais à cette allure, le ministère va démentir tous les jours. Non, ici, il y a même la dernière rencontre de l'OMT. L'Organisation mondiale du tourisme, le thème central, c'était la communication de crise en cas d'attaque. Okay. Qu'est-ce qu'on constate? Quand il y a une attaque, il y a un traitement abondant et disproportionné de l'attaque. Souvent même, on rentre dans des détails qui choquent. Et bien, c'est l'objectif poursuivi par les terroristes. C'est leur objectif. Généralement, en France, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une attaque, la communication est axée autour de la solidarité envers les victimes. Donc, on demande à l'État d'être fort, on demande aux populations d'être fort, de ne pas céder, de ne pas capituler. Mais si on ne fait que ressasser une attaque pour dire « oui, ils ont frappé, il y a un dispositif qui est inopérant, ils sont toujours là, ils sont dangereux, ils vont encore être plus graves », mais ça ne va pas être productif. C'est pourquoi il faut être regardant. Peut-être qu'on peut envisager, le ministère peut envisager une formation des journalistes. Mais pour que ministre, peut-être les journalistes la stratégie. Font leur travail jusqu'à présent. Oui, mais on ne dit pas que les journalistes ne font pas leur travail. Oui, mais monsieur le ministre. On dit simplement qu'on peut accroître la connaissance des journalistes sur le traitement de l'information en temps de crise, notamment en cas d'attaque et autres. Oui. Peut-être que ce n'est pas tous les journalistes aussi qui vont en bénéficier. Je pense que la communication de crise, c'est plutôt à l'endroit de vos communicateurs, de vos cellules de communication. Parce que, justement, je donne ce cours aussi à mes étudiants. Mais si vous focalisez ça sur la presse, ce n'est pas évident que les journalistes fassent ce que vous voulez. Et justement, ce que nous voulons comprendre, pourquoi on perd chaque fois certaines parties de notre pays en rouge, alors que quelquefois les djihadistes aussi tapent, les terroristes tapent en plein cœur de Paris, et on ne met jamais Paris en rouge. Justement, c'est ce qu'on ne comprend pas, et apparemment les Africains ne réagissent pas. Non, je pense,
c'est un travail diplomatique, oui, qui se fait souvent sans bruit. Je vous donne l'information que, par exemple, l'équipage d'Air France qui sautait Ouagadougou pour aller passer la nuit à Abidjan, ce problème va être résolu d'ici le mois de mars. Mais c'est un travail assez dynamique qui a été fait avec l'appui du ministre d'État, Simon Compaoré, le ministère du Transport, le ministère de la Culture, pour que cela soit réalité. La question des colorations, c'est un travail diplomatique. Et permettez-moi de dire, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a une attaque que le secteur touristique doit être paralysé. Vous avez bien pris un bon exemple. La France de 2015 à maintenant, elle a perdu 250 personnes. L'attaque la plus meurtrière, c'était en novembre, avec 130 morts. Mais la France constitue toujours la première destination touristique du monde. Mais ça veut dire que cela est lié à une autre stratégie. Monsieur le ministre, on vous a compris. Il y a également une question importante quand même qui a été soulevée concernant le classement des restaurants et hôtels pour assurer donc le contrôle de la qualité. À ce niveau, est-ce que ce n'est pas également un impératif? Parce que le tourisme se développe avec de bonnes infrastructures d'accueil, notamment les hôtels, mais également de bons restaurants. Les sites touristiques aussi. Oui, ce travail est engagé. Le classement des hôtels et des restaurants, ce travail est engagé et nous comptons l'achever en 2017. Et concrètement, ce classement, ça veut dire en quoi ça consiste à l'heure actuelle? C'est une mise à niveau de ces structures par rapport aux normes établies. Donc, un restaurant qui ne fonctionne pas conformément aux normes hygiéniques et autres, mais naturellement, va subir les conséquences de la loi. Il en va de même pour les établissements et d'hébergements touristiques. Ok, l'émission malheureusement tire vers sa fin. Nous n'allons pas, en tout cas, bouder notre plaisir de vous poser certaines questions d'ordre divers. Alors, au sein de votre département, monsieur le ministre, tout le monde n'est pas content de votre gestion. Alors, il y a certains qui vous accusent, en tout cas, d'avoir une gestion, disons, politique, en tout cas en faisant peut-être des faveurs à vos amis. Alors, quelle est la réponse que vous pouvez apporter à ces griefs-là? Une telle réponse ne peut être donnée tant que la question n'est pas claire. Il faut qu'on me dise c'est qui j'ai favorisé dans les nominations. La plupart de ceux que moi j'ai nommés, je suis venu les trouver. La plupart. Donc, posez-moi une question précise, je vous répondrai de façon précise. On a vos amis, par exemple, voilà. du parrain, qui sont quand même votre chargé de communication, ou en tout cas votre directeur de campagne, disons, et qui est avec vous au niveau du ministère, pour ne citer que cet exemple. Et en plus... Attendez, il ne faut pas qu'on se précipite. Vous connaissez, moi, mon directeur de campagne, c'est qui? Je parle, bien sûr, du DG du Sénaza, qui était donc à vos côtés. Il était mon directeur de campagne? En tout cas, il était candidat à l'élection présidentielle et qui a décidé de renoncer à sa candidature pour m'accompagner. Mon directeur de campagne, c'était Toé Carlos. Toé Carlos est loin, il peut faire 2-3 mois sans même passer au ministère. ZS est un artiste. Il fait partie du monde artistique. Il a une expérience. Il a été responsable au niveau du Sénaza. Il a fait un travail de qualité en termes de réfection de ses infrastructures, en termes de réhabilitation de ces infrastructures, mais il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas lui faire confiance. Moi, j'ai dit récemment, au niveau du Sénaza, j'ai dit à ZS, il vient de réussir la mission de réhabiliter une structure en tant qu'architecte. Maintenant, l'autre défi, c'est la gestion. Oui. Et s'il savait qu'il est défaillant, je serais le premier à le flageller publiquement. Je l'ai dit. Oui, monsieur. À moins que vous ayez d'autres exemples, je suis très surpris par ce que vous me dites. En fait, justement, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les coulisses. Et justement, récemment, il y a quand même des... Il nous est revenu que pour la plupart de vos directeurs régionaux, justement, la condition, c'est de prendre la carte politique, la carte du parent. Bon, vous voyez, ce genre de questions...
oui. embarrasse. Oui. Si vous ne donnez pas des exemples. Mais c'est l'occasion pour vous de vous. Donnez-moi un seul directeur régional. Mmh. Les directeurs régionaux qui ont été responsabilisés, je ne les connais pas. La plupart ont été confirmés. Mmh. Je ne les connais pas. Et quel est ce directeur régional qui a pris la carte du parrain? Moi, je ne comprends pas. Alors, monsieur le ministre, donnez un seul exemple. Peut-être pour finir, il y a eu à une certaine époque un certain sondage qui faisait de vous le premier de la classe du gouvernement, en tout cas actuellement, en termes d'activité, en termes de visibilité. Alors, comment vous avez réagi? Est-ce que... Et comment vous avez accueilli peut-être ce sondage? Bon, moi j'ai toujours dit, les sondages, c'est une reproduction ponctuelle de la réalité pendant un certain moment donné. Ça, ça ne m'engage pas. Moi, je suis sur le terrain. Je veux atteindre un certain nombre d'objectifs avec mon équipe. Deuxièmement, j'estime que le travail qui a été fait est largement inférieur à ce qui doit être encore fait. Un lion ne doit pas se féliciter parce qu'il a tué une mouche. Il y a assez de travail à faire et je vais me concentrer à ça. Troisièmement, je vous dis sincèrement, je ne suis pas le plus grand travailleur de ce gouvernement. Monsieur Simon Compaoré vient à 4h du matin au bureau. Moi, je viens généralement à 6h30. Vous prenez une dame comme Rosine Koulibaly, elle bosse, elle prend ses parapheurs, elle va à la maison la nuit, elle traite, le lendemain, elle est là. Je ne suis pas le plus grand bosseur. Il y a un certain nombre de missions que j'essaie d'exécuter avec, Dieu merci, des ressources humaines vraiment de qualité. Nous avons des travailleurs engagés, conscients de leur mission, qui ne demandent pas grand-chose, mais qui s'engagent à fond. Et c'est avec eux qu'on essaie de relever sans grand moyen les défis qui s'imposent à nous. Merci, monsieur le ministre. Je pense que, à moins que si... Oui, juste une petite question, parce que ça va quand même... fait plaisir à nos amis plasticiens. Justement, on a constaté un phénomène. Ça veut dire, lors des manifestations de rue, ben, la réponse, les gens s'en prennent aux monuments. Et quelquefois aussi, lors des campagnes électorales, ben, il y a vraiment les pavages sauvages des affiches. Et on a vu du côté de Bobo vraiment des situations assez alarmantes. Alors, vous, en tant que ministre de la Culture, protecteur quand même du patrimoine culturel, alors comment vous réagissez à tout cela? La réponse est simple, c'est l'éducation. Ouais. Si on arrive à réussir le projet d'introduction de la culture, des arts, dans les différents ordres d'enseignement, on ne va plus parler de ces gens d'incivisme, de ces gens de dérive. L'éducation... c'est la première condition pour avoir des hommes et des femmes conscients de leur mission, des patriotes, des personnes attachées à des valeurs. Et c'est avec ces personnes qu'on peut construire une nation forte, une nation digne. Mais et côté politique, ils ne sont pas tout de même des enfants? Oui, mais côté politique, ce n'est pas les leaders des partis politiques qui font ce travail. Oui. C'est des militants. Oui. Mais une fois de plus, c'est le point de la formation qui est posé. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre conscience de la nécessité, de l'obligation morale de protéger de tels sites. Mais quand c'est comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut éduquer, il faut sensibiliser. Merci, okay. Monsieur le ministre, on vous aura compris. Malheureusement, notre émission est arrivée à son terme. Ouais. Merci encore pour votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission. Dialogue avec le gouvernement qui recevait donc le ministre Taïrou Bari de la Culture, des Arts et du Tourisme. Merci pour votre attention et à bientôt.